Les changements climatiques étant devenus une problématique majeure à l'échelle mondiale, l'ONG Climate Education Congo a sensibilisé les jeunes aux enjeux des changements climatiques en les incitant à passer à l'action. Axée sur l'action de la jeunesse face aux défis environnementaux, cette édition est une occasion pour l'ONG Climate Education Congo de lancer la sonnette d'alarme en vue de la protection de l'environnement. L'engagement citoyen en matière d'environnement, ça doit d'abord partir du cœur. Aujourd'hui, l'environnement a été élevé au rang des règles d'intérêt général. Donc c'est une affaire qui nous concerne tous. Il y a des actions plus fortes qui vont demander plus de temps. Il y a des actions auxquelles on peut commencer, telles que la sensibilisation. Au terme de cette sensibilisation, la coordonnatrice de cette ONG a circonscrit ses retrouvailles. C'est vraiment des projections qu'on fait lorsqu'on parle de la crise climatique. Et en parlant d'avenir, on se dit que les jeunes sont concernés parce qu'aujourd'hui, peu importe l'âge qu'ils ont, demain, ce seront les acteurs de la société, certains seront décideurs, certains seront acteurs engagés. Donc pour nous, c'était essentiel de les réunir en ces lieux pour pouvoir les sensibiliser sur les problèmes environnementaux que nous avons, mais aussi sur les perspectives qui s'ouvrent à eux dans le cadre professionnel en parlant des métiers dans le secteur de l'environnement. Un des panélistes a jugé opportun de mobiliser ces jeunes dans la lutte contre les changements climatiques. Les leaders de demain que nous attendons, les innovateurs de demain que nous attendons, qui peuvent relever les défis environnementaux, c'est nous-mêmes. Il faudrait qu'on se lève, il ne faudrait pas qu'on attende seulement des faveurs, mais il faudrait qu'on prenne également nos responsabilités pour pouvoir garantir un avenir meilleur pour les générations futures. Ce rendez-vous du donner et du savoir a aussi permis à ces jeunes d'être sensibilisés sur l'orientation aux métiers environnementaux. Nous avons retenu quand même que la technologie pouvait avoir un apport très positif dans le métier de l'environnement. L'objectif de notre panel était d'inciter les jeunes à se lancer dans divers métiers qui peuvent leur permettre de prospérer dans le domaine de l'environnement. Célébrée le 5 juin de l'an, cette édition 2024 a été placée sous le thème « L'action de la jeunesse face aux défis environnementaux ».